tu laisses pas une équipe, un bateau à la dérive comme ça. Ça s'appelle un bateau à la dérive. Avec ce qu'il y a derrière, avec ce qui est sur le plan économique et pour la politique du club, il y a quand même des choses qui ne sont pas claires. Il faut régler ça, c'est tout. Je crois que le président fait des choses, moi je vous le dis, très intéressantes. Moi je vous le dis. Sinon je ne suis pas ici. Sachez-le bien, je vous le répète à jour. Si le projet n'était pas comme je pense que je annonce depuis des années à la télé, je ne serais pas ici. Je n'avais pas les garanties de voir qu'on peut travailler, qu'on peut faire des choses. On n'est pas là pour construire le Barça. Mais le mot est très très important, vous n'avez pas compris. Il est très important. Il y a des choses très intéressantes à faire. Je parle du domaine football de notre jeunesse, hein, je parle de ça. Il y a des choses à faire. Et moi, je suis porteur de ça. On peut faire du haut niveau, mais on peut aussi travailler. On peut ouvrir les portes à la région, on peut ouvrir la porte à des joueurs, à n'importe quoi, à n'importe comment. Je pensais qu'on avait de très bons joueurs ici. On va les former. Moi, je ne sais pas, est-ce que vous êtes d'accord? C'est pas le but du jeu. C'est bien de penser voilà. Par des gens. Oui, c'est ça, oui. Moi, je pense, je suis né là-dedans, moi. Et donc, je sais qu'on peut faire. On peut faire des choses intéressantes. Donc, on va mettre en place, on ne va pas parler, on va mettre les choses en pratique. C'est pour ça que je me suis entouré quand même. Gélias, qui est l'un des meilleurs entraîneurs gardiens, qui a été honoré meilleur gardien de but, quand il a vu le projet, il est venu, sinon il ne vient pas. Arda, il y a des gens, tout le monde le veut, il veut venir. Il m'a dit, ouais, je viens au projet. On peut travailler, former et construire une équipe avec notre identité. C'est très important. Moi, c'est ça qui m'a. Elle est ce qu'elle est, mais c'est la nôtre. Et nous, on veut ces valeurs-là. Si tu en trouves dans les tribunes, je veux sur le terrain la même. C'est comme ça. Bilbao le fait, Barcelone le fait, Madrid le fait, le PSG cherche à le faire, tout le monde cherche. Donc on a la nôtre et on va l'afficher. Avec ces valeurs-là, avec des jeunes qui viennent ici de la région. Ils vont courir pour le maillot et pour plein de choses derrière. Ce qui est plus important que de courir pour l'argent. Hein. L'argent, ça, c'est limite. Hein. Tu payes des joueurs à des prix comme ça, mais si tu joues pour la valeur, pour des valeurs que tu as dans ton identité et où tu es né dans ta région, tu cours plus de ça. Et tu te bats mieux. Et moi, il y a une chose que j'ai vue, le MOP, c'est qu'ils ont de sacrés supporters. Hein. Parce que c'est les supporters qui font les joueurs. C'est ce que je veux dire pour les joueurs qui partent. Ils n'ont pas éclore comme ça. Hein. C'est le monde, le public qui a fait ces joueurs-là. Hein. Et à un moment, ben, si tu changes, on mettra d'autres joueurs qui vont répondre à tout ça. Et on va y aller gentiment. Si tout le monde veut des noms, on va vous emmener des noms, on va faire plaisir à quoi. Moi, j'essaie d'être lucide et de faire attention à beaucoup de paramètres. Et surtout, j'ai l'ambition de donner la chance à ces petits jeunes que je vois là. Parce qu'ils m'intéressent bien. Parce que j'ai vu là, il y a des choses très intéressantes qui sont pas mal. Après, Inch'Allah, je vais faire un week-end, il va nous donner un coup de main samedi dimanche pour faire un bon match. Après, on verra ce que. Après, tu gagnes le match, tout le monde t'appelle. Toute la journée, nous appeler les joueurs. Et moi, j'ai besoin d'avoir aussi une voire deux chances. Il y a un match qu'un joueur pour Ghana. Là, on va voir leur potentiel.